Les différents types de Cassidy. Le Cassidy débutant est souvent perturbé par ses coéquipiers. Il s'adresse toujours à lui en l'appelant Macri. Du coup, il pense qu'il doit y avoir un bug et il redonne son pseudo. Le Cassidy bourrin fonce toujours sur ses adversaires avec une roulade et en vidant son barillet. Ça marche encore sur les gros personnages, mais il est tout fin. Le Cassidy nul, il rate toutes ses balles. Même quand il ralentit une cible avec sa grenade, il continue de la rater. Le Cassidy impatient ne veut pas s'empêcher de tirer beaucoup trop tôt avec son ultime. Il veut tellement anticiper qu'il laisse tout le monde à un PV. C'est frustrant. Le Cassidy casse-cou n'a aucune notion du danger. Il ulti toujours en face de tout le monde. Bizarrement, il se fait toujours interrompre, voire même éliminer. Le Cassidy espion, il s'infiltre toujours derrière les adversaires pour faire un ultime dévastateur. Dommage que les adversaires se soient juste décalés derrière un mur pour éviter le danger. Le Cassidy PGM survit toujours à des dégâts critiques. Que ce soit les bombes de Diva ou de Tresseur, il utilise toujours sa roulade pour survivre in extremis. Tout le monde l'accuse de cheater, mais les vrais savent. Le Cassidy immobile fait toujours le malin à te dire qu'il va s'occuper de la écho dans les airs. Sauf qu'il arrive seulement à toucher quand il ne bouge pas. Comment lui dire que le Reinhardt qui lui fonce dessus va juste l'éclater? Le Cassidy Troller n'hésite surtout pas à utiliser son ultime sur des cibles immobiles. Il y prend un malin plaisir. Le Cassidy gilet jaune. Attention les jeunes, grenade, grenade!